Comment tu te sens? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. On est presque arrivé. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise? Je vous montrerai. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Joël, donne-moi un coup de main. Oh. Attends un peu. Relève-toi. T'approches pas d'elle. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeune? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie, c'est notre seule chance. Et... c'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vus. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense la pas merde, que ce soit je une fais bonne pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène... Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez! Oh, j'ai entendu les tirs, mais... c'était quoi? Les lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi, je te suis. Par ici. Allez, dépêche-toi. Mais oui. Attention. Toute personne cachant ou étant des criminels recherchés est passible. Où est-ce qu'on va? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? Donne-moi une minute. Thank you.
des trafics dedans? Oui. Des trucs illégaux? Parfois. Et une gamine, ça se fait? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, hey, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt? Ouais. Allons-y. C'est bizarre qu'il nous confie cette mission. Marlène voulait le faire elle-même. On n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Allez. Qui nous attend au point de rendez-vous ?
Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis notre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? La fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit. Et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Monte vérifier que la voie est libre. Bougez pas, il y a une patrouille en approche. Ok, c'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. Je crois pas. Je suis vraiment dehors. Par là-haut. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Scanlez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée! Qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez! Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Falloir courir. Prête. Ouais. C'est bon. Fais chier. Ils sont partout.
Faut que tu réussir à passer. Vérifiez les tranchées. Restez derrière moi. Pas rien du tout ici. On est sûr qu'ils sont passés par là ? Le point de ton frère, emporte le chien. Attention, faut pas qu'ils nous voient. Allez, Ellie. Bougeons. Tu vois quelque chose ? Les restes. C'est comment chez toi ? Pour l'instant, c'est bon. Ok. On peut passer par là. Ils sont nombreux par ici.
passé? Ils nous ont pas encore repérés. Faisons le tour. Ça donne quoi? Allons jeter un œil. Merde, merde. Encore des soldats. Cible toujours en fuite, tête. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'ils nous aient vus. Merci. Tout à vos véhicules. Attendez, attendez. Ils sont partis.
Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? J'arrive pas. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. Vache. Alors c'est à ça que ces immeubles ressemblent de près. Immense. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont largué un maximum de bombes autour des zones de quarantaine pour essayer de tuer le plus d'infectés. Ça a marché. Tess, t'entends ça? Ouais. Mais ça venait d'assez loin. Merde. On est en sécurité? Pour l'instant. Allez! C'est super haut. Bon, voilà le Capitole. Ouais. On va devoir faire le tour. C'est le centre-ville, ça? C'était... c'est plus qu'un vaste terrain vague. Par ici. Tu vois quelque chose, toi? Non. Continue. Contente-toi de rester avec elle. Hey, Tess! J'arrive! Il s'est fait massacrer. Ouais. Le corps est encore chaud. C'est une mauvaise idée. Ouais, peut-être bien. Prenons pas ici. Qui est arrivé à son visage? Ça donne ça, des années d'infection.
Mais alors ils sont... aveugles ? Si on veut. Ils se repèrent au son. Comme les chauves-souris ? Comme les chauves-souris. S'il y en a un qui claque, cache-toi. Sinon ils te repèrent. On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler. Attention à la tête. Donne-moi un coup de main. Merci. Ça va ? C'est rien. Allons chercher des vivres. La vache ! Comment c'était tendu ! Tu l'as dit. Tiens, remets-toi sur pied. C'est sympa. Allez, foutons le camp d'ici. Oh, bon sang. Ok. La voie est libre. Allez, Ellie. Allez. Allez, mon grand, donne-moi la main. Allez. Ok. Ok. Des claqueurs ? Oh merde ! Go, go, go !
crois que c'est bon. Ellie, tout va bien? À part que je me suis pissée dessus, ça va. Juste une minute. Et voilà, mesdames. Ok. Allez. L'escalier est bloqué. On fait quoi? On remonte? Faut pas regarder en bas. T'es sérieuse? Ah!
descendez. Tirons-nous d'ici. Ok, Tess, go! Ok, tiens bon. C'est bon, on peut y aller. On peut passer là. Attention. Peut-être souffler un peu. Tu veux souffler un peu ? Hé, hey, c'est toi qui parles tout le temps de se mettre au vert. Et toi, tu m'envoies toujours chier. Bon, à cette fois. J'attends de le voir pour le croire. Par ici. Tess, par ici. Regarde sa manche. Une luciole. Ouais. Ces types tombent comme des mouches, en ville comme à l'extérieur. Espérons qu'il reste quelqu'un au point de rendez-vous. Tout va bien se passer. Les cocktails Molotov. Thank you.
Ah!
Putain. On a réussi. Tout le monde va bien? Ouais. Allons-y. Vous vous débrouillez plutôt bien tous les deux. C'est de la chance. Et ça ne va pas durer. C'est par où, Tess? Le Capitole est dans cette direction.